finale haïtienne, tu fais face carré avec la sélection nationale Angleterre samedi 22 juillet, dans le premier match que Grenadier a été joué dans le mondial FIFA 2023. L'équipe nationale a été logée dans l'hôtel Marriott qui est dans le centre-ville Brisbane. Et quelques temps avant le match, mesdames joueurs de la sélection nationale ont défilé, sauté l'un après l'autre devant l'hôtel, là, puis ont monté dans le bus qui a mené sous le terrain football Brisbane Stadium, là, côté que le match a déroulé. Avant de monter dans le bus, il y a un défenseur de l'équipe nationale, Whitney Mathurin, qui a parlé dans le micro VOA Creole. Merci parce que vous avez nous avec le nous connaît Haïti, Lito, mais nous déjà remercier et nous allons nous. Avant match Haïti contre Angleterre, pendant le temps monté lui-même tout dans le bus, Melchidael Dumorné t'est parlé dans le micro VOA Creole lui-même tout. Déjà, je dis merci pour le soutien. Nous recevons un peu de messages. Nous connaissons que aujourd'hui c'est un match qui est important, donc nous allons faire tout le moins possible pour nous faire meilleur de nous-mêmes sur le terrain. Nous t'ai rencontré tout avec quelques fanatiques qui ont même été venus devant l'hôtel là pour supporter l'équipe nationale là. Nous t'ai rencontré tout avec madame Julia Melamed qui était habillée avec rad couleur drapeau bleu et rouge là avec zano mouchoir drapeau Haïti. Madame Julia Melamed, c'est consul honoraire Haïti dans pays Australie. My job as the honorary consul of Australia is to build. Job moi comme consul honoraire d'Haïti dans pays Australie, c'est construire des ponts culturels entre Haïti avec pays Australie. Creating awareness of Haiti in this region because Australia is mainly, you know, because une région qui connectait surtout avec position géographique avec un pays Asie du Sud. Et moi très concerné pour faire tout le monde connaître l'importance Haïti dans la région ça. Qui donc c'est pas tout le temps que Haïti dans conversation monde en général. Ma potérade ça aujourd'hui spécifiquement à cause de match là. Tout bagay moi soumen c'est Haïti, boucle d'oreille moi, mouchoir moi, tout bagay Haïti. Moi venu aujourd'hui à préparer. Bus là t'est déplacé, mais mesdames Grenadiers a joué premier match contre mesdames Lyon. Et n'a pas rappelé que Angleterre était arrivé battre Haïti 1-0 après que l'habitant ait accordé une pénalité à l'équipe anglaise dans le premier mi-temps. C'est Georgia Stanway qui permet à Angleterre de prendre 3 points dans le mondial là, ça qui pourrait permettre à l'équipe anglaise d'avancer pour phase 16e de finale. Haïti pourrait jouer deuxième match dans le mondial là, samedi 28 juillet dans la ville Adélaïde. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis depuis Brisbane, Australie.